Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble de la plie avec de la sauce tomate, citron et basilic. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Bien évidemment, des beaux filets de plie bien de chez nous. Citron, basilic, piment frais. Ici, de belles tomates. Et là, un petit peu de concentré de tomate. Alors, l'idée, en fait, c'est pas de réaliser un poisson avec une sauce, mais un poisson avec une fondue de légumes. Alors, une fondue de légumes, en général, c'est une réduction de légumes qui permet d'obtenir une sorte de purée de légumes avec des légumes qui sont en général des légumes très souples comme les courgettes, les tomates avec lesquelles on fait traditionnellement pas de purée, donc on appelle ça plutôt une fondue. Donc, vous allez voir, c'est très très simple. Le principe est de cuire pendant 20 à 30 minutes les tomates avec les citrons, le piment et le basilic dans une casserole à découvert de façon à réduire le tout et ensuite napper nos filets de poisson. Alors les tomates, bien sûr, on enlève le pédoncule, hein. Ici, dans notre sautoir, de l'huile d'olive. Et on vient tout simplement couper nos tomates en tranches, comme ça, d'un centimètre. Donc nous avons dans le sautoir les tomates qui sont en train de cuire déjà. On va rajouter le zeste. Donc on ne veut pas le jus du citron parce qu'on ne veut vraiment pas rajouter de l'acidité. Ce qu'on veut, c'est simplement réaliser une sorte de condiment en fait, hein. Voilà, on va venir mettre maintenant le basilic. Un petit peu de piment émincé. Alors n'oubliez pas, c'est un piment doux, il n'y a aucun risque. Ça apporte un petit peu de chaleur, mais ça apporte surtout du goût. Voilà, ici, nos petits piments. Un petit peu de concentré de tomate. Voilà, comme ceci. Et là, on va commencer à remuer. Donc on peut constater vraiment que ça a réduit déjà. Là, on a réduit de moitié. Donc vous ne le sentez pas, mais les citrons ainsi que le piment et le basilic ont développé tout leur arôme. Donc on n'a pas une sauce tomate, on a vraiment quelque chose de fort condimenté comme ça. Et ça, c'est intéressant. Alors, terminer le plat, c'est simple. Regardez, un petit filet d'huile d'olive. On dépose les beaux filets de plis dans le plat. Donc choisissez toujours le plat de façon à pouvoir recouvrir le fond du plat avec les filets de poisson. Hein. Et on les chevauche dans les parties les plus fines. Voilà. Et maintenant, regardez, tout simplement, sur le poisson. Donc là, je mets un tout petit peu dessus de chapelure. Hein, et je vais enfourner juste 3 minutes à 180 degrés. Voilà, on a passé 3 minutes au four. Et encore une fois, ça c'est un bel exemple de plat tout en un. On met tous les ingrédients, on cuisine, on met dans le four, ça sort du four, on pose sur la table. Après ça, vous agrémentez avec tous les féculents que vous voulez, riz, pâtes, pommes de terre. Vous faites des photos, vous notez vos recettes, vous faites des variantes et on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit !